Et en plus, on vous fait découvrir et déguster tous les produits régionaux de France. Et ce matin, avec Anne Cazobon, on va aller direction Aix-en-Provence. Bah oui. Bah oui, ça fait plusieurs jours qu'on avait des produits dont on ne connaissait pas spécialement l'origine, qui étaient un petit peu méconnus. Donc cette fois-ci, on se recentre sur quelque chose que tout le monde connaît, le calisson d'Aix. Qui a inventé le calisson ? Alors, comme souvent, derrière chaque chef-d'œuvre, il y a une belle histoire d'amour. Quoi de plus beau que de cuisiner pour redonner la joie, le sourire, de nourrir l'autre au sens premier du terme. C'est en filigrane ce qui se cache derrière la découverte du calisson. Nous sommes donc en 1473, à Aix-en-Provence, au mariage du bon roi René. René d'Anjou, comte de Provence, roi de Naples et de Jérusalem. Autant vous dire qu'à l'époque, le cumul des mandats, on s'en fichait pas mal. Ouais. René épouse donc Jeanne de Laval, qui n'a visiblement pas le cœur à la fête. Non, on imagine que c'est un mariage arrangé. À l'époque, c'est plutôt chose courante. Jeanne est une mariée triste donc, mais le pâtissier de la cour va créer par amour pour sa nouvelle reine une confiserie pour lui redonner le sourire. Alors ça c'est la version officielle, parce que nous on suppute au Subodor qu'il y a cachalot sous gravillon clairement, mais David qui l'emporte c'est sacrément pour elle, on n'est pas des perdreaux de l'année, on sait comment ça se passe. Toujours est-il que c'est avec un calisson qu'il aurait rendu son sourire à la reine. À mon avis il n'y avait pas que ça, mais bon, la légende raconte qu'un courtisan invité du mariage aurait demandé à son voisin de table que déguste notre reine avec tant de plaisir, et l'homme lui aurait répondu « Dit calinsoun » en provençal, littéralement « Ce sont des câlins ». Le calisson venait donc de naître. Voilà. D'où les free hugs de tout à l'heure. Exactement. Bon, alors pour être tout à fait franche, et parce qu'on se dit tous les yeux dans le micro, j'ai trouvé d'autres versions selon lesquelles le calisson était présenté dans des vases en forme de calice, d'où le nom de calisson. Marche aussi. Oui. Voilà, on peut trouver aussi une autre version qui se rapprocherait du calisson de massepain, un petit gâteau de farine et d'amandes que l'on mangeait à Padoue en Italie au XIIe siècle. Mais franchement. Non, les câlins. Ça n'a pas le panache de cette histoire d'amour secrète. Ouais. On préfère ce pâtissier amoureux transi, pas vous ? Mais totalement. Le calisson, c'est donc un câlin gastronomique, Ce qu'on peut dire. Mais oui, c'est une confiserie qui redonne le sourire, un peu comme vous, Thomas. Mais pas que. Ça continue. Un peu plus tard, en 1630, alors que la grande peste fait des ravages, pas moi, l'autre, le calisson a la réputation de protéger. C'est comme de ça qu'on vous appelle dans l'intimité, la grande peste. C'est ce que Radio Moquette dit. Voilà. Le calisson a la réputation de protéger de ce mal terrible. Ça devient une sorte de médicament ou d'aliment aux vertus guérisseuses. Et depuis ce temps, les Aixois s'en souviennent. Chaque premier dimanche du mois de septembre, en l'église Saint-Jean de Malte à Aix, il commémore ce souvenir et organise une bénédiction de calisson. C'est vraiment l'emblème gastronomique de la ville d'Aix-en-Provence. Les Aixois y sont vraiment très attachés. D'ailleurs, la devise des calissonniers d'Aix, c'est le calisson d'Aix-en-Provence et nulle part ailleurs. Voilà. Alors depuis 2002, seuls les calissons d'Aix fabriqués dans les trois cantons d'Aix-en-Provence sont autorisés à porter ce nom et ils représentent tout de même 80% de la production mondiale. C'est vous dire s'ils ont un peu verrouillé le terrain. C'est-à-dire que si je veux vendre moi des calissons d'Aix que je fais avec tout seul à la maison, j'ai pas le droit. Non. C'est juste là-bas, d'accord, entendu. Vous ferez autre chose. Il faut dire que les professionnels de la profession ne rigolent pas non plus sur l'appellation. Depuis 2002, vous n'êtes calisson d'Aix que si et seulement si vous avez les mensurations requises et vous allez pouvoir regarder et mesurer cela avec moi puisque je vous ai apporté une boîte de calisson. On va l'ouvrir en direct. En forme de losange, forcément. En forme de calisson. Ouais, voilà. En forme de calisson, il y en a 26 à l'intérieur. Ce sont les calissons d'Aix du roi René. À l'intérieur. Alors, il y a une mensuration très précise, pour le calisson d'Aix. Alors, prenez vos décimètres, vous allez voir, c'est pire qu'un concours de mannequin élite modèle look. Ce petit bijou sucré doit peser 13,6 grammes, avoir une forme ovale, pointue aux deux extrémités. C'est bien pointu. Sa longueur doit mesurer entre 4 et 6 cm. On y est. Là, je pense qu'on peut dire qu'on est à la limite de la psychorigidité. Voilà. Heureusement, ils ne sont pas aussi drastiques envers ceux qui s'aventurent à déguster ces confiseries, parce que nous, on ne rentrerait jamais dans les cases à ce rythme-là. Sur le dessus, il faut que la fine couche craquante et brillante mesure moins de 2 mm. Ah oui, même ça, c'est mieux. Voilà. En fait, c'est un glaçage qui est composé exclusivement de sucre glace et de blanc d'œuf, parfumé aux arômes naturels de vanille ou de fleurs d'oranger. Et pour ce qui est du cœur, parce que c'est ce qui compte le plus, nous disait Saint-Exupéry. C'est une pâte fondante composée d'amandes douces et amères, forcément d'origine méditerranéenne. Vous faites des têtes très bizarres en mangeant ces calissons. Thomas, non c'est génial. Vous inviter dans les dîners parce que quand on vous demande. Je vais vous dire, j'aime pas beaucoup les pâtes d'amandes en fait. Et c'est vrai que ça a fort goût de pâte d'amandes. Voilà, en tout cas, justement, ces amandes, on les broie avant de les mélanger à des fruits confits comme du melon de Provence ou à des agrumes. Vous n'êtes pas obligé de vous forcer. Voilà.
On va finir, on fait honneur. On fait honneur, on fait honneur. On en a 26, alors tu sais. La recette, le meilleur pour en parler, c'est Marcel Pagnol. Hein, c'est celui qui résume le mieux Mais il n'était pas disponible ce matin. meilleur ambassadeur provençal. Alors lui, il dit que c'est un mélange de 4 tiers. Oui, 4 tiers. Alors j'ai l'impression que Marcel Pagnol et moi, on a un point commun, c'est la bête noire des maths. Alors à tout moment, sur un bien entendu, un 2 plus 2 peuvent faire 5 pour Marcel, comme pour moi. Alors 4 tiers. Voilà, 4 tiers. Donc c'est un tiers d'amandes, un tiers de fruits confits, un tiers de sucre et surtout un tiers de savoir-faire et d'amour du travail bien fait. C'est vrai qu'on sent bien l'amour, oui. Ah oui. le love everywhere. On comprend mieux donc hein, ce fameux 4 tiers pour l'ajout de ces valeurs. Hein. Alors, on peut en prendre un petit, Thomas ? Oui. Ça lui colle l'odeur, c'est ça. Je vais surtout prendre un petit verre d'eau, si c'est possible, si on peut m'amener ça en régie. Allez, on est tout de suite en ligne avec Laure Périsnard, directrice générale de la maison Le Roi René. Bonjour Laure. Bonjour. Et merci de nous faire découvrir ces caillissons d'Aix. Hein, c'est ceux-là qu'on, ce sont les vôtres qu'on est en train de déguster en ce moment. Ça représente beaucoup hein, dans votre région le caillisson. Bah, le caillisson, c'est vraiment pour nous le produit emblématique de la Provence. C'est aussi un peu notre Madeleine de Proust parce que vous savez que le caillisson fait partie des 13 desserts de Noël et que donc, dès la plus tendre enfance, il berce un peu toutes les fêtes de Noël puisque à chaque fois qu'on prépare les 13 desserts, on y dépose des caillissons avec des nougats, des fruits secs, etc. Mais voilà, le caillisson pour nous, c'est vraiment ce souvenir d'enfance. Mais on peut en manger toute l'année, pas juste à Noël. Ah bien sûr, effectivement, pour les Provençaux, c'est un produit qui se déguste toute l'année. Mais effectivement, le couronnement, ça vient au moment des fêtes de Noël. Entendu. Alors, il y a 13 producteurs qui produisent pour la région dont vous faites partie. Et tout cela est très contrôlé. Il y a une appellation d'origine. On a vu tout à l'heure que n'importe qui ne pouvait pas vendre et fabriquer des caillissons d'Aix. Oui, effectivement, le caillisson d'Aix est encadré par une appellation et c'est vrai qu'avec les autres caillissonniers, nous portons aujourd'hui un projet d'IGP pour aller plus loin dans cette protection. C'est quoi l'IGP vraiment... simplement, Laure Périsnard ? Pardon ? C'est quoi l'IGP ? L'IGP, c'est en fait une indication géographique protégée qui D'accord. permet en fait vraiment de protéger à la fois la recette du caillisson, son origine et également de garantir la qualité des matières premières utilisées, etc. Alors vous êtes le numéro 1 du caillisson dans la région. Hein. Vous produisez, si mes informations sont bonnes, 509 tonnes de caillisson. C'est bien ça ? Oui, tout à fait. Mais c'est absolument énorme, ça écoute, fait 50 millions par an. Oui, 50 millions de confiseries. Nous, vraiment, la fabrique du Roi René, hein, qui se trouve à Aix-en-Provence, est dédiée au caillisson et au nougat, mais le caillisson, c'est vraiment notre cœur de métier. Mmh. Et l'usine bat son plein, notamment sur les fêtes de Noël, mais toute l'année. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on produit plus de 500 tonnes de caillisson par an. Ce qui fait aussi qu'on est un très fort consommateur à la fois d'amandes de Provence et Méditerranée et de melon confit, puisque vous avez vu qu'effectivement, c'est ce qui compose majoritairement le caillisson. On l'a senti un petit peu hein, en goûtant, effectivement. Alors, j'ai entendu que justement, vous n'appréciez pas forcément la pâte d'amande. Les pâtes d'amande en général. Hein. En général. Et du coup, pour les personnes justement qui sont moins fans de pâte d'amande, aujourd'hui, autour du caillisson, on crée des nouvelles recettes. Ah oui. La volonté, c'est de aussi revisiter un peu cette tradition provençale et justement de composer d'autres recettes avec des belles matières comme la figue de Solliès ou la clémentine corse. Et par exemple, notre petit dernier caillisson d'exception, c'est verveine agrumes. Donc, je vous invite du coup à aller venir vers les déguster. Vers le caillisson c'est d'exception. Évident, bien sûr. Oui. Et ça peut toujours s'appeler le caillisson d'Aix, ça garde l'appellation ? Alors du coup, ça s'appelle caillisson, ça ne s'appelle plus caillisson d'Aix. Ah oui, il y a une petite différence. Mais disons que ce qui est en fait en lien avec le caillisson, c'est bien sûr la forme dont on a parlé, hein, la forme du sourire de la reine Jeanne, mais toujours aussi cette composition de glace royale croquante sur le dessus. Moi, ce que je préfère, c'est la petite couche de sucre qui est sur le dessus, effectivement. Hein, ça croque très bien en bouche. L'original, le caillisson d'Aix, il est fait entièrement avec des produits de votre région ?
En fait, il est fait avec entièrement, voilà, avec du melon confit. Donc le melon, vous savez que on le prend à Apte puisque c'est la capitale du fruit confit. Mmh. Donc c'est tout proche d'Aix-en-Provence. Des amandes de Provence et Méditerranée. Donc Provence quand on peut, parce qu'effectivement aujourd'hui la production d'amandes en Provence ne permet pas de suffire aux besoins des calissonniers et nougatiers. Donc on va aussi chercher des amandes sur en Espagne, en fait, donc des matières premières très, très proches et de qualité, en fait, avec une vraie traçabilité. On peut venir vous voir à Aix-en-Provence, à la maison Le Roi René, et également à Calade, avec carrément le musée du calisson. Oui, en fait, donc notre fabrique se trouve sur la route d'Avignon, dans le quartier de la Calade, donc c'est très proche du centre-ville d'Aix-en-Provence, on est à 10 minutes. D'accord. Et en fait, au sein de la fabrique, on a installé un musée dédié au calisson, qui retrace l'origine du calisson, son histoire. C'est en fait une balade à travers les différentes matières premières dont on a évoqué. Et on a aussi la possibilité de visionner en direct la sortie des calissons dans nos ateliers. Donc il y a à la fois la découverte du savoir-faire d'hier et la tradition qui se perpétue aujourd'hui avec vraiment la vision de la fabrication des calissons en direct. Génial, ça va être passionnant. Donc hein, c'est à découvrir à Aix-en-Provence évidemment. Et si on veut se faire livrer dans toute la France, vous avez également un site internet. Vous faites des livraisons? Oui, en fait, notre site, c'est très facile, c'est calisson.com. Ah bah oui, donc, on ne pouvait pas trouver plus simple. Du Roi René, et donc, effectivement, ça permet pour les touristes qui ont découvert cette spécialité en été à Aix-en-Provence de pouvoir en profiter toute l'année. Effectivement. Bon, et alors, Pierre Hinard, si on vient vous voir dans votre boutique principale d'Aix-en-Provence au 11 rue Gaston de Saporta, est-ce que vous faites un petit prix pour les auditeurs d'Europe 1? Est-ce que vous offrez, je ne sais pas, quelque chose pour les auditeurs d'Europe 1 qui viennent vous voir en vous reparlant de votre intervention ce matin sur Europe 1, la maison du Roi René? Vous pouvez faire ça? Eh ben, on les recevra bien volontiers et on leur fera découvrir notre petit dernier, le calisson verveine agrume. Eh ben voilà, vous avez la dégustation gratuite donc sur place. Merci beaucoup Laure Pierre Hinard d'avoir été en direct avec nous ce matin.